Bon, bonjour aux gens qui se joignent à nous. On laisse le temps à tout le monde de se joindre, de se connecter et on va débuter dans 2 minutes. Merci aux gens qui se joignent à nous. La rencontre va débuter sous peu. Je vois encore quelques personnes qui se joignent à nous, mais comme nous avons passé l'heure, nous allons tranquillement débuter cette rencontre. Et les gens se joindront à nous là, donc suite au début. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Philippe Cousineau-Morin. Ça fait très plaisir de vous recevoir dans cette rencontre virtuelle, qui est la rencontre spéciale de Parlons Territoire. Qui est une rencontre, donc la fin d'une première étape là, pour l'initiative Parlons Territoire de discussions virtuelles qui se sont tenues dans les dernières semaines avec des gens de partout au Québec et de divers horizons. Alors, je vous remercie grandement d'être présent aujourd'hui. Je serai donc votre animateur, Philippe Cousineau-Morin, au nom de l'Alliance Ariane. Je rappelle quelques petites consignes, puis on débute. Alors, bien sûr, je vous invite à garder vos microphones fermés et à faire part de vos questions et commentaires via l'outil de discussion de Zoom pour accéder à cet outil. Il suffit de survoler le bas de votre écran, choisir l'option « Converser » qui est avec une icône de bulle. Je rappelle également que l'événement d'aujourd'hui est enregistré. Et comme on s'y est engagé, nous terminerons à 13h30. Je vais peut-être d'abord saluer les invités spéciaux, les conférenciers qui sont avec nous aujourd'hui, bien que vous soyez tous et toutes spéciaux à nos yeux. Alors, je ne vous vois pas à l'écran là, parce que je veux être sûr de ne pas manquer vos titres, mais je vous salue. Donc, Sylvain Gariepy, président de l'Ordre des urbanistes, bonjour. Madame Louise Arel, qui était ministre des Affaires municipales et de la Métropole, bonjour Madame Arel. Madame Marilyn Charbonneau, qui est conseillère municipale à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Marilyn. Monsieur Philippe Pagé, qui est maire de la municipalité du canton de Saint-Camille. Bonjour, Philippe. Et également Jeanne Robin, donc directrice principale à Vivre en Ville. Bonjour, Jeanne. Et bonjour à tout le monde qui est dans la salle, bien sûr. C'est une rencontre un peu différente des autres rencontres que nous avons tenues pour celles et ceux qui ont participé jusqu'ici. Alors, je mets la table, si vous voulez, avant d'avoir nos conférences d'aujourd'hui. Rencontre un peu différente au sens où nous souhaitons faire place à un peu plus de contenu et un peu plus de matière grise pour mettre
la table pour nos attentes pour la stratégie nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires. Et donc, aujourd'hui, effectivement, de mettre en perspective les opportunités politiques devant nous. On souhaite repartir de la rencontre avec l'ambition d'exiger une politique forte, que cette stratégie, ben, ça soit un moment charnière dans notre domaine au Québec, qu'il y ait vraiment un avant et un après. L'Alliance Ariane, d'abord, que je vous présente, pour plusieurs, vous le savez, si vous êtes présents aujourd'hui, l'Alliance Ariane a été fondée en 2015 avec plusieurs grands organismes nationaux, dont des ordres professionnels, des groupes en environnement, des groupes en patrimoine, donc toutes sortes d'intérêts pour le territoire, des groupes en agriculture également. Et donc avec la demande conjointe de que le Québec se dote d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Constat qu'il était nécessaire de renouveler la vision. Là, on est à ce moment-ci, une quarantaine d'années après plusieurs grands jalons, dont la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que la loi sur la protection du territoire agricole. Et donc, en cette année 2021, alors que le gouvernement a annoncé en janvier une démarche pour aller faire une stratégie, je la renomme une dernière fois, puis ensuite je l'appelle la stratégie, donc stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Donc ça a été annoncé par le gouvernement en début d'année pour adoption l'année prochaine, donc dans une grande démarche. Alors, de notre côté, on s'est donné l'objectif avec l'initiative Parlons Territoire de vous aider, vous, comme pour vous outiller, vous mobiliser, vous informer sur les grands enjeux du territoire. Et voilà, donc, pourquoi à ce moment-ci, il y a une stratégie qui est annoncée? Bien, l'objectif, c'est en fait c'est d'abord un constat. Un constat qu'il y a des enjeux importants, des enjeux structurels et même des crises qui sont importantes à régler, qu'il faudra revoir le cadre, que ce soit législatif, politique, budgétaire. Je peux en nommer quelques-uns, puis on va en parler de plusieurs aujourd'hui. Donc, l'étalement urbain, l'éparpillement des activités sur le territoire, la forte pression sur les milieux naturels, les milieux agricoles. Des enjeux de logement, d'habitation, on peut bien appeler ça une crise cette année, là, c'est assez évident pour tout le monde dans de nombreuses régions. La question des environnements qui ne sont pas suffisamment favorables à la santé, aux saines habitudes de vie. À la pandémie, on a noté l'enjeu de l'espace public, du partage de l'espace public. On peut parler des enjeux du patrimoine qui sont saillants depuis toujours, mais qui de plus en plus là, dans l'opinion publique, c'est connu là, que il y a plusieurs de nos bâtiments qui sont en danger et qu'on souhaiterait préserver. Il y a les inondations, donc je pourrais en nommer plusieurs autres, mais vous avez compris. Alors, le gouvernement s'est engagé donc dans une démarche et je vais vous repartager une diapositive pour vous parler des thèmes que le gouvernement et de la démarche du gouvernement pour attendre un petit peu, je vais réussir, on va y arriver. Ici. Le gouvernement a mis de l'avant cinq thèmes pour la discussion, en fait. Et là, je ne pense pas que vous les voyez en plein écran. Vous me dites si ça fonctionne. Donc, gouvernance, croissance urbaine, milieu de vie, ruralité, finance et fiscalité. Ce sont des thèmes là, sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires qui se déclinent en plusieurs autres thèmes et qui sont soumis à la discussion dont on peut parler aujourd'hui et dont le gouvernement souhaite entendre des pistes de réflexion. La démarche du gouvernement se porte en quatre grandes étapes. Elle est menée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Vous pouvez aller sur le site web pour consulter la documentation. Et on est à l'étape des orientations préliminaires qui sont déposées à l'intérieur d'un document dit de consultation. Et c'est sur la base de ce document que les derniers mécanismes de consultation sont en place, notamment, c'est ce qui vous intéressera le plus, la consultation web qui ouvre le 16 août prochain en parallèle d'une tournée régionale de la ministre des affaires municipales cet été dans différentes régions. C'est débuté, ça se poursuit au mois d'août. Alors, je pense que oui, bien, il y a d'autres mécanismes de consultation, mais je vous les épargne. Aujourd'hui, on est là pour discuter et mettre en perspective tout cela. Alors, je pense que nous serions rendus en fait, avant d'aller au conférencier, je veux faire un petit court bilan de nos activités jusqu'à ce jour, la série Parlons Territoire, parce que nous avons tenu
une quinzaine d'activités. On serait à la 16e aujourd'hui. Et je vais vous faire un court compte-rendu de ce qu'on a fait. Donc, on s'est promené virtuellement, vous aurez compris, dans une initiative qui a été lancée en mars de cette année, donc dans les régions. Puis on a souhaité rejoindre différents publics, non seulement des professionnels, des citoyens intéressés par les questions d'aménagement du territoire, mais la réponse a été bien au-delà de nos attentes. Alors, vous êtes très, très nombreux dans la salle aujourd'hui. En fait, dans nos 15 événements, vous êtes 130 aujourd'hui, dans nos 15 événements, nous avons reçu près de 1000 personnes qui sont venues discuter avec nous pendant une heure et demie et qui parfois sont restées plus longtemps pour discuter des différentes thématiques. On a eu des événements donc à vocation régionale et des événements à vocation thématique. Je souligne que vous pourrez aller les réécouter, les enregistrements qui sont disponibles sur le site web parlonsterritoire.québec. On a reçu une quarantaine de conférenciers, incluant des spécialistes, des élus, des fonctionnaires territoriaux, des chercheurs, des citoyens engagés, des praticiens. On a reçu, par exemple, entre autres élus, Mme Deschamps, mairesse de Repentigny, M. Penneau-Jobin, maire de Gatineau, Mme Suzanne Roy, présidente ex-officio de l'Union des municipalités du Québec, Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer, plusieurs conseillers municipaux. On a eu des spécialistes comme Pierre Filion de l'Université de Waterloo, Jean-François Rault, le PDG de Vélo-Québec, Jérôme Duprat de l'Université du Québec en Outaouais, des directeurs et directrices d'aménagement dans les MRC, Béatrice Alain de Chantier de l'économie sociale, des architectes, des spécialistes de l'eau, plusieurs autres. Bon, j'en passe. Alors, vous pourrez retourner voir les différents outils qu'on met à votre disposition avec les conférences des gens. On a un site web, j'en ai parlé, Parlons Territoire, qui a plus de 500 visites par semaine, une infolettre récurrente. Puis, je terminerai en vous parlant des thèmes, des discussions, parce que ça va ouvrir déjà les débats d'aujourd'hui. Alors, au nom de l'Alliance Ariane, je ne prends pas position, mais je vous relate les thèmes qui ont été abordés à plus d'une reprise, souvent dans ces différentes discussions, parce que c'était très riche. Alors, les défis, bien sûr, liés à l'étalement urbain, à l'éparpillement sur le territoire, partout au Québec. La question de la gouvernance, des échelles de gouvernance, une gouvernance régionale, qu'elle soit à l'échelle des MRC, à l'échelle des bassins versants, à l'échelle des régions naturelles, la question de la délégation ou la mise en commun des compétences, notamment dans les petits milieux, je parle des municipalités, un rôle accru pour le pouvoir public en planification. On a parlé beaucoup du réflexe centre-ville pour toutes les localités. On a parlé, bien sûr, c'est pas un secret, la diversification et l'augmentation des revenus municipaux. Cela allant de pair avec un meilleur appui professionnel et une meilleure formation des élus localement. On a parlé au niveau des paysages, d'éviter l'homogénéisation des villes et villages avec des identités locales qui sont bien définies, puis une fiscalité qui est incitative à la préservation des milieux, donc à contrario d'une banalisation des paysages. On a parlé de la protection des milieux naturels agricoles, on a parlé de l'idée de créer une commission de protection des milieux naturels. On a traité des outils réglementaires qui sont trop peu utilisés, que, par exemple en logement, en construction, comme les fiducies d'utilité sociale. Et je vous dirais également qu'on a parlé du rôle de l'aménagement du territoire pour une meilleure justice et inclusion sociale, ainsi qu'en prévention de la santé et saines habitudes de vie. Alors, c'était un peu le bilan que je voulais vous dresser de la tournée Parlons Territoire. Vous pouvez aller consulter les outils et les conférences qui ont été prononcées. Voilà. Alors, nous en serions 14 à la présentation par nos conférenciers. Je vais d'abord vous présenter Sylvain Gariépy, puis je lui laisse la parole. Sylvain Gariépy, président de l'Ordre des urbanistes du Québec depuis mai 2019, siège au conseil d'administration de l'organisation depuis mars 2018. Et il possède 20 ans d'expérience à titre de chargé de projet et d'expert conseil en aménagement. Alors Sylvain, je pense que tu vas entre autres nous parler un petit peu de l'historique des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour mettre les choses en perspective. La parole est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Oui, effectivement, aujourd'hui, ça va être d'entrée de jeu un bref rappel là, des plus importants jalons qui ont mené à la conversation nationale depuis l'adoption du cadre législatif et réglementaire en aménagement du territoire. Donc, on s'appellera 1979, adoption coup sur coup des lois sur l'aménagement et l'urbanisme d'une part et d'autre part sur la protection des territoires et des activités agricoles. C'est vraiment deux grandes lois qui sont venues poser les premières balises d'un encadrement l'aménagement du territoire au Québec. Donc, l'adoption de la LAU survient d'ailleurs après près de deux décennies de réflexion sur l'urbanisation, l'aménagement et l'organisation territoriale, notamment avec le rapport de la commission Lahaye, paru durant les années 60, et le livre blanc de 1977.
C'est avec la LAU, finalement, qu'on crée que le gouvernement met en place un régime d'aménagement de type plus régional avec l'apparition là, des schémas d'aménagement et de développement régionaux et la création également des municipalités régionales de comté. Donc, c'est vraiment au niveau du schéma, c'est un outil qui va servir à coordonner des interventions à plus haute échelle, des interventions d'instances centrales et d'instances locales qui se partagent des compétences en matière d'aménagement du territoire. Les nouvelles structures régionales, que sont les MRC, là, venaient remplacer des anciennes corporations de comté dont l'origine remontait à la création des premières institutions municipales au Québec en 1855. On assiste déjà à une première régionalisation de l'aménagement. On prend conscience à l'époque que certains enjeux doivent être réfléchis à une échelle plus large que les municipalités locales. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment anodin si présentement on rediscute justement du pouvoir et des responsabilités des MRC dans le cadre de la stratégie nationale. 1994, c'est l'adoption des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment un mécanisme de conformité qui s'impose aux documents de planification, notamment au schéma d'aménagement et de développement. Par la suite, 2006, il y a les États généraux de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, c'est vraiment une organisation conjointe de l'Association des aménagistes régionaux du Québec et de l'Ordre des urbanistes du Québec. Et pendant ces États généraux, il y avait un objectif qui était très clair, c'est vraiment de réfléchir, d'exposer, partager collectivement une vision d'avenir à l'égard de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Et c'est une vision sur 20 ans, donc on appelle la vision 2026. Trois thématiques étaient d'ailleurs abordées autour du développement durable lors de ces États généraux, entre autres la mondialisation, les changements climatiques et les changements démographiques qui sont toujours aujourd'hui des thématiques qui sont très de l'avant, sont très actuelles. Dans les principaux constats lors de ces États généraux, il y avait vraiment la nécessité de doter le Québec d'une vision de principes directeurs en aménagement et de déterminer les moyens de mise en œuvre, entre autres les mécanismes qui devront être mis de l'avant par la suite. La conclusion de ces États généraux-là était assez claire, c'était la nécessité d'adopter une politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire québécois, qui se traduirait éventuellement par un nouveau cadre législatif. 2010-2011, il y a une tentative de réforme de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avec le projet de loi sur l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens ont été mobilisés pour redéfinir ce nouveau cadre légal. Et malheureusement, en dépit de toute cette belle réflexion, tout ce travail, le projet de loi a été abandonné en 2011. Ça a vraiment eu un effet d'un électrochoc sur le milieu de l'aménagement du territoire. Et c'est là qu'on s'est dit, bien, il faut avoir au Québec, encore plus que jamais, adopté une politique qui va nous permettre d'avoir une vision globale et cohérente de l'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment un constat là, qui était partagé dans plusieurs milieux, qu'on parle au niveau du patrimoine, de la mobilité, de l'environnement, de l'agriculture. Bref, tout le monde s'entend sur le constat. Et un des constats, malheureusement, qui ressort également, c'est que l'aménagement du territoire est vraiment dans l'angle mort des politiques publiques. Donc, on continue avec des outils qui datent de 1979. 2015, création de l'Alliance Ariane. Donc, c'est vraiment une coalition qui regroupe les forces vives de l'aménagement et dont la mission est d'inciter le gouvernement à doter le Québec d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Donc, une déclaration, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site ariane.québec. Et également, par la suite, en février 2018, il y a un forum qui a été organisé par l'Alliance Ariane où on s'en va. Et c'est un événement vraiment qui était fait pour discuter d'aménagement et des moyens à mettre en œuvre pour faire mieux pour la suite. Donc, des représentants des quatre partis politiques sont présents. Puis, il découle de cet événement une feuille de route qui propose les différentes étapes pour se doter, justement, de cette politique nationale d'aménagement du territoire. Et trois des quatre partis présents inscrivent dans leur programme électoral l'engagement d'adopter une telle politique ou une vision en aménagement s'ils sont élus, dont la CAQ qui l'avait notamment promis et qui fut élue, comme nous le savons tous. Dans cette foulée aussi, puis là, je fais un petit parallèle, ça a comme donné l'impulsion aussi à l'Ordre des urbanistes du Québec là, de prendre position et de faire en sorte que cette politique nationale d'aménagement du territoire là, devienne notre cheval de bataille et de pousser pour avoir cette fameuse politique.
L'idée derrière ça, c'est vraiment dire qu'il faut arrêter les incohérences en aménagement du territoire, il faut se doter d'une vision globale et il faut réfléchir à notre cadre législatif également. Et entre-temps, on a eu l'opportunité aussi de se prononcer là, sur des consultations locales, là, que ce soit le PPU des Faubourgs dans l'arrondissement Villeneuve à Montréal, que ce soit le tramway de Québec, ou encore sur le plan régional avec la planification stratégique de la RTM et nationale avec les mémoires déposées sur le plan d'économie verte, le PL66 sur la relance, le PL67 sur les inondations et le PL69 sur le patrimoine. Bref, il y a un fil conducteur qui est marquant dans tout ça, c'est de dire dotons-nous d'une vision, dotons-nous de moyens d'avoir un développement cohérent de notre territoire. 2020, ben, il y a un sujet principal qui nous a occupés, mais il y en a d'autres qui sont sortis dans les médias, entre autres tout ce qui a trait à l'étalement urbain. Et c'est pas mal à ce moment-là aussi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation mentionne pour la première fois publiquement l'intention de son gouvernement de doter le Québec d'une vision en aménagement. Le temps a passé un petit peu à cause de la pandémie qui sévit, mais le chantier est démarré depuis janvier 2021, où justement il y a le lancement de la conversation nationale sur l'aménagement du territoire, qui est pour nous, en tout cas, et pour l'ensemble des Québécois et Québécoises, c'est vraiment une opportunité de réfléchir à ce qu'on souhaite faire en aménagement du territoire. Et c'est une opportunité unique également. Ce n'est pas le genre de chantier qu'on met de l'avant là, qui revient à chaque 5 ans. Là. C'est vraiment une discussion qui va mettre la table pour les prochaines décennies. Il est également important que cette démarche fasse écho aux grands défis du 21e siècle. Donc, on pense à la crise climatique, à cette nécessaire réconciliation à l'endroit des peuples autochtones, le vieillissement de la population. Il y en a d'autres thématiques. Mais bref, il faut que ça fasse vraiment écho à ces défis. En fait, je crois que nous avons le devoir pour les générations qui nous succèdent de bien faire, de faire mieux et d'être ambitieux et exigeants. La future stratégie nationale doit être vue et comprise comme le contrat social qui liera le gouvernement à la population en matière d'aménagement du territoire. Ce sont des engagements sérieux qui devront ensuite percoler vers les outils de planification, tant à l'échelle régionale que municipale. Et les mécanismes de suivi et de reddition de comptes devront également être mis en place pour veiller à sa mise en application. La stratégie nationale n'est qu'un début et de nombreux chantiers seront nécessaires au cours des prochaines années pour actualiser le cadre de l'aménagement au Québec et atteindre les objectifs de la stratégie, si ce n'est que la révision du parc fiscal, la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Bref, cette conversation et la future stratégie doivent s'inscrire comme un désormais en aménagement du territoire. Ça conclut ce bref rappel. Donc, je vous repasse la parole, Philippe. Merci. Merci, Sylvain, là, pour cette historique. Pour les gens qui étaient moins familiers, là, les grands jalons, effectivement, puis le mot-clé à la fin, le désormais, on l'a bien entendu. Alors, je m'excuse, Sylvain, j'avais oublié de fermer mon partage d'écran. Donc, il y a des gens qui n'ont pas vu vos premiers mots, mais vous entendez ça, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. On va passer donc maintenant à nos autres panélistes. Puis dans l'ordre, ce sera Mme Marel, Mme Charbonneau, M. Pagé. Alors, encore une fois, je les présente, puis je vous donne un premier tour de parole, puis après ça, on va faire un peu d'échange. Si jamais vous avez des questions dans la salle, bien, vous les inscrire, comme je l'ai dit, là, dans les petites conversations, c'est moi-même qui les formulerai certaines d'entre elles pour la suite. Alors, Mme Marel, je vous présente rapidement. Vous avez été d'abord leader étudiante à l'Université de Montréal à la fin des années 60 et impliquée en développement social et en conditions féminines. Élue pour la première fois députée du Parti québécois en 1981 dans Maisonneuve, elle a représenté cette circonscription qui est devenue Hochelaga-Maisonneuve jusqu'en 2007. À l'Assemblée nationale, Louise Ariel aura des responsabilités dans de nombreux dossiers touchant la culture, l'éducation, l'emploi, la solidarité sociale, la condition féminine, l'environnement, le transport et l'agriculture. Elle est également ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole de 1998 à 2002. Donc, vous avez eu quand même un regard de près là, sur notamment les fusions municipales, mais tous les grands enjeux municipaux. Et finalement, présidente de l'Assemblée nationale de mars 2002 à juin 2003. Par la suite, comme si vous n'aviez pas assez d'expérience dans le monde municipal, vous avez été candidate au poste de mairesse de Montréal aux élections de 2009 et chef de l'opposition au conseil municipal de 2009 à 2013. Alors, c'est avec cette grande expérience qu'on aimerait que vous nous partagiez quelques éléments par rapport aux débats qui nous sont soumis aujourd'hui. La parole est à vous. Merci, merci Philippe. Alors, bonjour à toutes et tous. Monsieur Gariepi a bien raison. En matière d'aménagement du territoire, il faut avoir une vision d'ensemble. Et moi, mon thème, c'est qu'il faut aussi avoir le courage de l'appliquer.
Et ce courage est extrêmement important. Puis je voudrais vous faire une rétrospective la plus rapide possible parce que j'aimerais aussi qu'on parle de l'avenir. Écoutez, la langue et le territoire, là, c'est intimement lié à notre identité. C'est sans doute la raison pour laquelle ça crée tant de turbulences quand on vient, finalement, quand on veut vouloir modifier les paramètres. Et je vais très, très, très vite pour plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas l'âge pour connaître toutes ces luttes farouches qui se sont menées en matière d'aménagement. Moi, j'avais 20 ans, par exemple, lorsque les 14 municipalités de l'Île-Jésus ont constitué Ville-Laval. À l'époque, là, dites-vous que ce fut une opposition farouche immense, là, avec des milliers de personnes, 5 000 personnes en assemblée publique haranguées par Réal Caouette qui disait, et j'ai retrouvé la phrase célèbre, « C'est la plus grande entorse à la démocratie depuis la Confédération. Hein, » vous voyez? Et puis, ça s'est toujours poursuivi comme ça. Pensez que la création de la CUM, la Communauté urbaine de Montréal, là, ça s'est fait dans un tumulte total, il faut lire le journal des débats, entre Noël et le jour de l'an 1970. Et par la suite... Alors, en 79, quand M. Gariépy nous parle de l'adoption de la LAU, dites-vous que le chef de l'opposition à l'époque, Claude Ryan, avait très formellement pris l'engagement d'abolir les MRC dès son élection en 81. Et, ça se, et c'est ainsi de suite. Alors là, je vous rappelle qu'en 2000, en fait, ce fut l'adoption de la Communauté métropolitaine de Montréal. Peut-être ignorez-vous qu'il y a eu 99 500 personnes qui sont allées voter à 96% des 26 municipalités de la Rive-Nord et de la Naudière contre la création de la communauté urbaine, contre la création, excusez-moi, contre la CMM, la création de Montréal métropolitain. Alors, ça a été, finalement, il fallait que les gouvernements aient l'estomac assez, disons, ferme pour résister. Et je pense, entre autres, puis je serai très, très brève là-dessus, mais peut-être quelques-uns ou quelques-unes se rappellent l'opposition farouche de Mme André Boucher, à l'époque mairesse de Sainte-Foy, qui s'est présentée contre Jean-Paul Allier en 2001, en voulant et en annonçant qu'elle allait défaire la fusion de Québec. Alors, Jean-Paul Allier a été réélu, notre ami Jean-Paul, mais par la suite, Mme Boucher a finalement effectué un virage spectaculaire en devenant mairesse de Québec. Et c'est ainsi de suite. Moi, tous ces exemples-là, puis je pourrais en ajouter bien d'autres, là, c'est simplement pour vous démontrer ou démontrer ce que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions farouches qui se manifestent à peu près à toutes les occasions où on touche à l'aménagement du territoire. Et par ailleurs, il y a une sorte d'adhésion qui en résulte. Il n'y a plus personne qui voudrait remettre en question ni la Ville de Québec, ni la Ville de Laval, ni les MRC, ni la CMM. Et au contraire, la CMM, maintenant, l'adhésion des 82 municipalités est tellement forte là, que je vous rappelle là, qu'un des bons coups au moment de la création de la CMM, ça a été l'obligation de faire partager les coûts de réalisation des logements sociaux abordables et coopératifs par l'ensemble des 82 municipalités. Il n'y avait que Montréal, Verdun et parfois Longueuil qui faisaient du logement social, étant entendu que les municipalités n'y voyaient pas autre, n'y voyaient pas leur intérêt. À partir du moment où j'ai introduit dans la loi créant la CMM, l'obligation de partager la facture du logement social coopératif et abordable, même Westmount s'est mis à faire
du logement social. Évidemment, Ville Laval, en a fait, et toutes les autres, parce que à partir de ce moment-là, les maires se disaient, bon, tant qu'à payer pour les autres, on va en faire nous aussi, et ça rapporte des revenus fonciers. Donc, il y a des façons de faire. Moi, je pense que peut-être on pourrait l'examiner aussi maintenant à l'égard du partage au sein même des MRC, ce qui se fait qu'au niveau de la CMM présentement. Et il y a eu une évolution assez extraordinaire. En même temps, il faut comprendre que Maxime Pernault-Jobin avait bien raison lorsqu'à une des conférences précédentes, il faisait mention que l'aménagement du territoire exige aussi un réexamen de toute la fiscalité municipale qui n'est basée que sur le foncier. Moi, première expérience, ministre des Affaires municipales, première rencontre, c'est un préfet, maire d'une municipalité et préfet d'une MRC des Basses-Laurentides qui veut obtenir du dézonage agricole, qui veut mon appui pour du dézonage agricole. Et quand je lui fais valoir qu'il y a encore beaucoup de terrains industriels qui sont abordables et qui sont finalement offerts dans la région des Basses-Laurentides, il me dit « c'est pas chez nous ». Et ça, c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire quelle est cette question du bien commun, là? Parce que vu de son point de vue, le bien commun, c'était de développer chez lui. Je reviens à la question du financement des municipalités par la taxe municipale qui est basée essentiellement sur le développement immobilier payant. Alors que le financement des transports collectifs repose aussi, je parle en particulier de la région métropolitaine, mais lorsque les 82 municipalités, c'est assez formidable l'évolution qui s'est produite, pour que la CMM s'entende sur la nécessité d'un financement à partir d'une surtaxe sur l'essence, de 6 sous de plus, d'un péage par kilométrage parcouru, d'une taxe élargie à l'ensemble des municipalités sur les immatriculations et d'une taxe sur les stationnements. C'est en 20 ans une évolution assez exceptionnelle. Mais en même temps que cette entente-là a prévalu, le gouvernement du Québec a opposé un non catégorique parce qu'il s'agissait d'une augmentation de taxes. Alors, il y a là vraiment un aspect extrêmement important là, qui est indissociable de l'aménagement du territoire. C'est quand on pense, par exemple, à la contribution des automobilistes en matière de financement des transports collectifs, il y a 20 ans, en 2001, c'est peu, mais quand même, c'était 8% cette contribution des automobilistes par diverses formes au sein de la région métropolitaine. Et maintenant, là, en 2019, c'est 5%. Et si on continue sur ce train-là, là, ça diminue constamment. Alors donc, il y a une évolution. En même temps, il va falloir forcer la main du gouvernement. Je voudrais juste vous citer Sénèque. Moi, j'ai beaucoup aimé, et je me suis répété ça pendant bien des années, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et savoir oser, c'est aussi, à un moment donné, bousculer. Ça ne se fait pas sincèrement sans rapport de force. Et je ne peux pas penser que les choses pourraient changer autrement. Et je termine en vous parlant du grand défi que constitue présentement la troisième couronne, c'est-à-dire l'urbanisation dans le périmètre métropolitain, dans le périmétropolitain plutôt. Ça, vous voyez, par exemple, tout est basé sur la RMR. J'imagine que tout le monde connaît bien la région métropolitaine de recensement, cette notion-là. Et la RMR, en fait, c'est un destin commun.
Ce n'est pas parce qu'on habite une des municipalités de la RMR et il faut majoritairement, pour en faire partie de la RMR, travailler dans une autre municipalité que celle où on habite, évidemment. Et là, on comprend que de plus en plus, ce sont les MRC limitrophes, les municipalités limitrophes plutôt, où se fait le développement périmétropolitain, et qui est, parce que ces municipalités échappent à des plans d'ensemble, échappent à un partage de coûts. Là, actuellement, il y a 12 municipalités limitrophes là, qui devraient faire partie de la CMM et qui n'en font pas partie. Il y a dans la loi que j'ai fait adopter, je le rappelle, l'article 270 de la CMM qui permet aux élus de la CMM qui constatent eux-mêmes là, que le développement se fait voisin de là où eux-mêmes ont des règles à appliquer. Il y a l'article 270 qui permet à la CMM de recommander au gouvernement d'élargir aux municipalités qui, en fait, ont les mêmes caractéristiques que celles qui en font partie. Je comprends que depuis 20 ans, la CMM n'a pas appliqué cette disposition, mais j'invite à regarder sérieusement la possibilité de le faire. Je voudrais juste terminer en vous mentionnant que j'ai beaucoup de j'ai un hommage à rendre à un sous-ministre que peut-être certains d'entre vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, ce serait vraiment intéressant que vous sachiez qu'il y avait des personnalités assez extraordinaires. C'est un sous-ministre, Brian McDonough, qui est décédé, mais qui a été pendant des années précurseur en matière d'aménagement du territoire dans la région métropolitaine de Montréal. Alors voilà. Cher Philippe. Merci beaucoup. Merci, Anne Laurel. Il y a des choses à dire, mais on y reviendra. Oui, c'est parfait, mais c'est très généreux de votre part là, de nous faire des rappels. Puis dans mon cas, je vais apprendre des choses, encore une fois. Hein. Je vais avoir l'humilité de dire qu'on ne peut pas tout connaître de notre histoire et qu'il y a des élections qui ont joué fort sur la poursuite ou la non-poursuite des enjeux de gouvernance territoriale, en tout cas. Puis vous l'avez dit très clairement, il y a une question de courage très fort. Alors, vous permettrez de repartager là, à tous la lettre que vous avez, faite paraître dans la presse là, ce printemps qui disait qu'il faut du courage pour contrer l'étalement urbain. Et je souligne parce qu'on a eu une rencontre hier qui était dans l'Est du Québec, donc c'est une région où vous avez moins parlé, mais il y a un enjeu qui est similaire. On ne l'appelle pas de la même façon, on l'appelle pas l'étalement urbain, on l'appelle l'éparpillement territorial, ces choses-là. Alors, ça se vit un peu partout. Et également, là, je retiens aussi votre citation de votre première rencontre là, avec un préfet des Basses-Laurentides. Il dit « c'est pas chez nous que ça s'est passé, c'est pas chez nous que c'est disponible le développement ». Alors, c'est toute la question à l'intérieur d'une région ou d'une, comment, je sais pas comment vous l'avez appelé, mais une communauté naturelle, donc, est-ce qu'on est complémentaire en municipalité ou est-ce qu'on est en compétition? Il y a quelque chose qui dans un regard lointain, nous dit « mais ça n'a pas de bon sens finalement là, que d'un clocher à l'autre, on soit en compétition pour finalement des gens qui vont tous vivre ensemble et travailler ensemble. » Alors, très intéressant. Effectivement, on reviendra sur certains de ces thèmes dans la période de questions. Bon, merci, vous avez la lettre de Mme Varel qui est partagée là, dans l'outil de conversation. Je vais maintenant vous présenter Marilyn Charbonneau, donc qui est conseillère municipale à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, voilà, native de cette municipalité. Marilyn est titulaire d'un bac en sciences politiques de l'Université de Montréal, combiné avec des études en communication appliquée. Elle a effectué différents mandats en communication et gestion de projet dans le milieu de l'environnement communautaire, la promotion de l'industrie des technologies du Québec. On l'a vu travailler sur la plateforme assisto.ca, répertoire de ressources communautaires du Haut-Richelieu-Rouville, à Technopolis et Techno-Montréal ou à l'organisme Les Amis de la Montagne. Donc, élue conseillère municipale au district 12 en 2017, elle préside le comité environnement et développement durable de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ses prises de parole nous rappellent son engagement pour la protection des terres agricoles, la nature et la consolidation des activités dans les espaces disponibles ou sous-utilisés de la ville. Alors, Marine, tu vas nous présenter la relation là, de la municipalité avec les démarches de l'Alliance Ariane.
La parole est à toi. Merci beaucoup. Et effectivement, je me sens interpellée par les propos de Mme Harel, parce que probablement que Saint-Jean sur Richelieu se retrouve dans les 12 municipalités qu'elle évoquait. Alors, je vais justement vous parler de ma vision, de mes réflexions, surtout par rapport à la protection des espaces verts, mais à la hauteur justement de la ville, qui va devenir probablement complémentaire à ce que Madame Harel disait, puis on pourra poursuivre le débat de la région métropolitaine par la suite. Alors, comme rappel, le 25 octobre 2018, avec des leaders du Haut-Richelieu, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ses conseillers, il y avait aussi la mairesse de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville, des conseillers de Henriville, Saint-Alexandre, la Commission scolaire des Hautes-Rivières, l'UPA du Haut-Richelieu, le COVABAR, le CIM Haut-Richelieu et le Mouvement écologique du Haut-Richelieu se sont rassemblés pour annoncer publiquement leur appui à la démarche de l'Alliance Ariane. À ce moment-là, le message qu'on voulait lancer était qu'on était prêts. En fait, nous, c'est les experts, les élus, la société civile, les citoyens, on était prêts à embrasser le changement. C'est un appel qui a fait écho à plusieurs autres municipalités qui, par la suite, se sont affichées pour que nous ayons au Québec enfin une grande discussion collective sur l'aménagement du territoire, sur l'avenir de nos collectivités à long terme. D'ailleurs, la pandémie là, a également renforcé cette nécessité-là de revoir la conception de nos milieux de vie pour qu'ils répondent davantage aux aspirations des citoyens. Alors, on souhaitait, pour bâtir des villes qui vont être plus résilientes, évolutives et durables face au changement climatique, les grands bouleversements comme la pandémie, l'urbanisation accélérée, les changements dans le monde du travail avec l'utilisation accrue des technologies, nous voulions et nous étions convaincus que nous avions besoin d'un désormais en aménagement. En fait, le mot « désormais » est fondamental et pour nous, il donnait tout le sens à la déclaration. On voulait tracer une ligne. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'on réalise ensemble un bilan honnête des 40 dernières années de pratique de coordination en aménagement du territoire et on voulait participer à proposer une nouvelle conception de la participation publique, une vision commune du développement urbain durable, de nouvelles orientations, des objectifs et des indicateurs communs, des valeurs actualisées et des outils de planification mieux adaptés au contexte municipal actuel, mais aussi futur. Surtout, on souhaitait inviter les citoyens à discuter de l'avenir de leur environnement, de leur qualité de vie. On voulait bâtir des consensus qui vont permettre de mettre des bases solides aux futurs travaux que le gouvernement du Québec entreprendra pour la stratégie nationale. En fait, dans la dernière année à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a fait une grande consultation sur la stratégie de développement durable là, auprès de l'ensemble de nos employés municipaux, auprès des citoyens, les commerçants, la santé publique, les écoles. On est allé même rencontrer des jeunes dans des classes. C'est plus de 3000 personnes qu'on a rencontrées. Puis le constat, il est clair. L'ensemble des acteurs veulent participer à ce renouveau-là. Ils veulent comprendre comment ils peuvent changer leur façon de faire pour avoir un aménagement plus durable, une qualité de vie plus durable. Alors, cette conversation-là, pour nous, est encore plus pertinente, puis c'est probablement ces consensus-là qui vont nous amener plus loin. Trop souvent, dans nos municipalités, on doit jongler avec des outils qui répondent plus adéquatement aux besoins locaux et des programmes qui ne prennent pas souvent en compte les particularités des territoires et les nouvelles réalités causées par l'accélération de l'urbanisation ou encore les changements climatiques. J'oserais même dire qu'être innovant pour une municipalité en matière de réglementation comporte son lot de risques, notamment au niveau juridique. Les risques de cette audace, ils peuvent être évalués comme comportant un risque financier trop grand ou difficile à gérer et davantage pour les municipalités de moyenne et petite taille.
souvent, c'est un risque collectif. C'est un risque collectif qui repose trop souvent sur les seules épaules d'une municipalité, alors que les bénéfices seront pour l'ensemble d'elle. Alors, un désormais s'impose. Par exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu, la 11e plus grande municipalité du Québec, on connaît une croissance de notre population qui est supérieure à la moyenne québécoise, ce qui cause des impacts importants sur notre capacité à protéger les territoires agricoles et les espaces verts. Et c'est sans nommer celui de l'offre de transport collectif local et urbain. Comme Mme Harel l'a spécifié un peu plus tôt, pour nous, ce que ça représente, c'est plus de 30 % de notre population active qui effectue des déplacements journaliers pour le travail vers la grande région métropolitaine, ce qui a un impact sur la consommation locale, mais aussi sur la pénurie de main-d'œuvre que vivent nos entreprises. Alors, pour nous, un désormais s'imposait. Protéger nos milieux naturels, ce n'est pas une chose simple. Les outils de planification, les outils financiers, législatifs et réglementaires ne sont pas adaptés et mettent une grande pression sur la capacité de payer des contribuables. Le territoire de Saint-Jean, on est une population d'environ 99 000 habitants. On est répartis sur un territoire, grosso modo, de 23 500 hectares. Il y a seulement 8,7 % de couvert forestier, puis il y a seulement 7 % de ce couvert forestier-là qui se retrouve en zone blanche. Vous comprenez que c'est un enjeu environnemental important, c'est même un enjeu de santé publique. Ces espaces verts, ils subissent de grandes pressions de développement, et puis dans les dernières années, le meilleur outil qui s'est offert à nous, c'était l'acquisition. Alors, au cours des dernières années, pour protéger les milieux naturels, nous avons acquis 386 hectares qui ont nécessité des règlements d'emprunt totalisant 45 millions. On a instauré une taxe spéciale de près de 3 sous par 100 $ d'évaluation. On a souscrit au Fonds pour la biodiversité des municipalités, instauré des protocoles d'entente pour des compensations de 15 % en espaces verts dans les nouveaux projets de développement. Et cela avec un budget qui était moindre que celui qu'on a présentement, qui est de 179 millions. Puis encore, près de 100 hectares d'espaces verts privés, on parle de golf, de boisé, subissent des pressions de développement, puis nous sommes encore à la recherche d'alternatives pour les acquérir et les protéger à perpétuité. Pourtant, les bénéfices écosystémiques au niveau économique, la santé physique, psychologique et sociale sont plus à prouver et sont d'autant plus importants pour des municipalités comme nous qui possèdent moins de 7 % de couverts forestiers en zone blanche, puis qui a également été durement touché par des inondations en 2011. Alors, ces défis de la protection des milieux naturels pour les territoires fortement urbanisés du sud du Québec touchent plusieurs municipalités hors CMM. Et ces municipalités-là n'ont pas accès à des programmes comme celui de la trame verte et bleue. Alors, comment pouvons-nous mieux protéger nos espaces verts sans confronter sans cesse la capacité de payer des contribuables? Alors, je vais vous annoncer quelques pistes de réflexion qui peuvent également inspirer la réflexion pour d'autres enjeux. Alors, pour nous, tout d'abord, il faut renforcer la législation pour mieux protéger notre patrimoine collectif non renouvelable. Entre autres, en reconnaissant que les espaces verts sont une ressource limitée, non renouvelable et stratégique pour le développement économique et social de la province et pour la santé de la population. On doit également inclure à la LAU la notion d'espace vert et les mesures de planification, tout comme on le fait pour les milieux humides, tout comme on le fait pour les terres agricoles. Également, pourquoi on n'inclurait pas les municipalités à la loi sur le développement durable du Québec? Ou s'en inspirer pour la législation qui appuiera la stratégie d'aménagement. Également, il faut planifier pour mieux protéger les espaces verts. On pourrait s'inspirer, par exemple, des PDZA, qui est un document de planification de la zone agricole, ou encore même de la CPTAQ, qui est un tribunal administratif responsable de protéger le territoire agricole pour protéger et mettre en valeur nos espaces verts.
On doit considérer les espaces verts comme des actifs naturels et instaurer rapidement et unanimement des politiques de gestion de ces actifs, comme on le fait pour les autres actifs aménagés. Alors, pour que ces aménagements soient pérennes et porteurs, il faut que les CIM nationales se répercutent dans les planifications régionales et locales et qu'on se dote de moyens de suivre ces CIM et de les mettre en œuvre en considérant les particularités des territoires. Cela nous permettra notamment de suivre la croissance des bénéfices écosystémiques et les coûts municipaux épargnés. Nous devons également revoir le processus d'approbation gouvernementale à l'égard de notre patrimoine collectif. On doit assurer une plus grande cohérence et une meilleure coordination de la prise de décision. Par exemple, quand il est question de dézonage de terres agricoles, c'est pas rare qu'on ait vu le ministre donner l'approbation pour faire un changement de zonage dans le schéma d'aménagement et en attente de la décision de la CPTAQ, souvent qui est contraire à ce que le gouvernement a octroyé. Alors, on se trouve avec une dichotomie dans l'action gouvernementale et ça se répercute dans nos planifications régionales et locales. Finalement, le nerf de la guerre, on doit diversifier la fiscalité municipale. On doit modifier la loi sur l'expropriation pour que le prix payé équivale à la juste valeur marchande du terrain exproprié. On doit permettre notamment un amortissement sur plus de 20 ans des emprunts associés à l'acquisition des espaces verts. En fait, c'est un legs important qu'on fait pour les générations futures et c'est probablement un investissement qu'on peut amortir sur une plus grande période. Comme je le disais tantôt, c'est important de protéger les municipalités contre les poursuites pour expropriation déguisée lorsqu'il s'agit de protéger un milieu naturel d'intérêt reconnu dans les outils de planification régionale. Et on doit aussi prévoir d'autres outils réglementaires pour justement faciliter la conservation et la protection à perpétuité. Alors, en conclusion, cette réflexion du nouvel impératif participatif du développement urbain durable et de la planification de la ville durable, comme M. Gariépy le disait, a débuté depuis bien des années. Il y a beaucoup d'experts qui ont exploré les enjeux, les solutions, et c'est super important qu'on puisse les inclure dans la conversation, qu'on puisse justement retracer l'évolution de cette recherche-là. Entre autres, on pourrait faire un inventaire des outils qui existent, voir comment qu'on peut les améliorer et lesquels qui sont manquants. Alors, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que par cette démarche, c'est nécessaire de proposer à la collectivité un projet social renouvelé qui nous permet d'aspirer à un milieu de vie durable, qui table sur notre capacité d'innover par et pour sa collectivité. Nous offrir un nouveau cadre pour exercer cette responsabilité partagée de l'aménagement en y incluant les citoyens. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marilyn Charbonneau. Vraiment très intéressant. On sent bien l'urgence là, de moderniser nos outils, puis d'aller vers la question du bien commun. Là. Je pense qu'il est jusqu'à date transversale dans vos préoccupations, lorsque, entre autres, tu as dit que les outils, les programmes ne sont pas à jour, puis qu'il y a des risques pour les municipalités qui innovent, alors que les bénéfices dépassent parfois le propre territoire de la municipalité. Alors, je pense qu'on pourra discuter, entre autres, d'environnement, de protection, puis on pourra discuter effectivement de l'échelle de gouvernance dans la discussion ultérieure. Je vais tout de suite passer à Philippe Pagé, que je présente d'abord, maire de la municipalité du canton de Saint-Camille, dans les cantons de l'Est. Philippe Pagé a été élu à la tête de ce dynamique village agriculturel en 2017, à l'âge de 31 ans. Et il est également le directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec, une organisation nationale affiliée à l'UPA, qui porte la voix des jeunes établis en agriculture ou qui souhaitent le devenir. Alors, Philippe, peux-tu nous présenter un peu ta réalité et ta perspective? Oui, bien, bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, enchanté de vous rencontrer virtuellement. Là, j'ai vu des gens dans la salle que je connais. Là, je vous salue là, par le fait même. Fait que, on m'avait demandé, puis je voulais un peu aussi aborder là, le point de vue plus rural là, de l'aménagement du territoire, puis les impacts que ça a, entre autres,
la situation qu'on vit actuellement. Il faut voir la COVID-19 aussi comme un grand bouleversement historique, là, je pense, là, que notre société aura vécu, puis même la planète. Là. On ne le sait pas encore si ce sera aussi grand que la révolution industrielle, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, mais ces enjeux-là ou ces événements-là ont déjà causé des exodes ruraux là, par le passé, là, où on a vu des villages, dont le mien, là, se vider de leur population, passant de presque 1500 personnes à 400 en l'espace de quelques générations, par l'attrait là, que les villes avaient là, à cette époque-là. La COVID-19 avec le télétravail, j'entendais Mme Harel parler de troisième couronne. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus de couronne, puisque autant nos villes se sont habituées à l'arrivée de l'automobile, peut-être que le télétravail aussi aura un impact là-dessus. Je pense que c'est un moment important qu'on traverse aussi en ce moment avec la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Là, il y a eu plusieurs exposés là-dessus là, dans les dernières minutes, là, comme quoi, bon, je pense que c'est un moment où la volonté politique semble être là pour apporter des changements importants. Je trouve ça bien là, qu'on fasse ça aujourd'hui. Et je voulais saluer d'entrée de jeu aussi. Ben, en fait, je voulais vous dire que j'étais, je me trouvais très privilégié là, de partager cette tribune-là avec Mme Harel et Mme Charbonneau. Fait que, considérez-vous comme... parce que je vous le dis. On m'avait demandé de parler de Saint-Camille, puis bon, un peu développement rural, développement, comment on peut respecter l'environnement en se développant dans les milieux ruraux, puis aussi de faire un parallèle avec l'agriculture. Puis je vais y aller de ce pas en commençant peut-être par Saint-Camille. On est peut-être moins connu que Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, fait que Saint-Camille, c'est dans les cantons de l'Est. On est situé près de la nouvelle ville de Val-des-Sources, anciennement Asbestos. On est près de la ville de Sherbrooke. On est une population de 550 personnes. On était 450 il y a 10 ans là, déjà dans notre village. Donc, on voit qu'on est quand même en augmentation là, assez constante. Il faut dire qu'on a un milieu qui est assez particulier dans la mesure où il y a toujours eu un engouement là, pour les gens de venir résider à Saint-Camille. Là, ça pouvait reposer sur plusieurs choses. Là. On a un développement rural qui est assez intéressant. À l'époque de Solidarité rurale, Saint-Camille a toujours participé activement à ça. Le premier président, c'était Jacques Proulx, là, qui est un résident de Saint-Camille qui est bien connu, ancien président de l'UPA. On a un développement culturel aussi qui est très important. Il y a beaucoup d'artistes à Saint-Camille. Il y a un centre culturel qui est dynamique, fait que ça a toujours attiré des gens. On a un développement qui est coopératif aussi. Il y a plusieurs coopératives sur notre territoire, que ce soit en service conseil en agriculture ou que ce soit des coopératives d'habitation qui ont repris, par exemple, le presbytère pour faire des logements pour nos aînés. On a notre centre communautaire aussi où il y a une coopérative qui s'est créée pour l'administrer puis créer des événements. Et c'est une forme de bassin d'innovation sociale là, qui a fait en sorte qu'au fil du temps, on s'est démarqué puis on a toujours eu des gens qui souhaitaient venir s'établir à Saint-Camille, ce qui n'était peut-être pas le cas là, dans toutes les communautés rurales du Québec. Là, je pense qu'on en connaît. Nous, on a eu un développement domiciliaire par le passé qui a fait un peu notre renommée, là, qui était le développement du rentrée. C'est un développement qui s'est fait dans une zone blanche, mais en campagne. Et ça avait comme projet au départ d'attirer une vingtaine de résidences là, sur des lopins d'à peu près 3-4 hectares, là, qui, je dis n'importe quoi, une dizaine d'hectares, pardon, qui permettaient des fermettes. Bon, une fermette, là, ça n'a pas de définition nécessairement, là, dans le béton. Là. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu tant là, d'entreprises agricoles là, qui ont été formées là, au fil de ces années-là. Aujourd'hui, on est 100 personnes de plus, beaucoup à cause de ce développement-là, mais on n'a pas réussi à créer une activité agricole, je vous dirais, de nature économique. Là. Il y a des projets nourriciers qui sont là, mais moins des projets là, agricoles. Fait que ça nous a amené une réflexion là, sur comment on voulait se développer dans les prochaines années, de faire, respect de ce qu'on se dit en matière d'aménagement du territoire, mais aussi l'environnement. Fait qu'on a voulu centrer beaucoup notre développement sur le village, quelque chose qui est moins naturel, je vous dirais, pour les municipalités. Souvent, les gens qui souhaitent s'établir en ruralité, c'est pour le faire en campagne. Généralement, ils veulent un cadre enchanteur, là, de la villégiature, un lac, une montagne, une forêt, quelque chose du genre. T'sais. C'est rare que les gens vont dire « je souhaite aller habiter un village ». Pourtant, les attraits qu'on a... c'est possible de jouir de ces attraits-là sans nécessairement habiter la campagne. T'sais.
Et un meilleur aménagement de nos villages permettrait justement là, des déplacements actifs là, qui seraient bon, plus intéressants. Je suis allé en France un peu avant la pandémie, puis il y a des villages où sont 350 personnes, mais tu sais, l'école, on est capable d'y aller à pied, la garderie, on est capable d'y aller à pied, les petites épiceries, on est capable d'y aller à pied. Alors que nous, on a tendance à se centrer beaucoup sur l'automobile pour nos déplacements. Et à un moment donné, ça finit aussi par égrener le tissu social. Là, tu sais, quand on est une communauté qui est capable de se déplacer à pied pour rejoindre tous nos services, on protège la campagne, on protège l'agriculture, puis en même temps, on crée des cadres de vie, je pense, à dimension humaine, qui peuvent s'apparenter à des quartiers qu'on voit là, en ville. Là. Je pense à Rosemont, entre autres, tu sais, des milieux de vie où on est capable de connaître nos voisins. Mais un village, on est capable d'amener ça sans nécessairement vivre en campagne. Fait que nous, on a centré beaucoup notre action là-dessus. On a acheté un terrain récemment là, qui jouxte le périmètre urbain en vue de le dézoner, les zones vertes. C'est un terrain boisé, c'est pour agrandir le village puis en faire des terrains résidentiels. Sachant que c'est sûr que c'est du dézonage, mais en se disant qu'on protège aussi le territoire agricole qui est en campagne puis qui, lui, n'est pas collé sur le périmètre urbain, puis ça évite ensuite que des gens aillent s'établir en campagne. Ce bout-là, il est très important, puis je rejoindrai peut-être mon chapeau là, à la Fédération de la relève agricole puis à l'UPA, là, parce qu'on sent beaucoup un engouement là, pour les milieux ruraux, pour l'agriculture en général. Dans les dernières décennies, là, si on calcule là, depuis les années, à peu près déjà, je pense que c'était 2000, je pense qu'on avait commencé les calculs, la recherche que j'avais vue, là, que la FQA avait montée, ça partait de 2011 jusqu'à 2016, c'est 50 000 emplois là, que les milieux ruraux ont perdu dans ces années-là. Puis la 75 % des emplois qui sont créés le sont généralement dans les 9 plus grandes villes du Québec. Ce qui fait aussi que nos milieux ont crée moins d'activités économiques, moins d'emplois qui sont bien payés, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de cercle vicieux où la population qui est là est moins éduquée, moins riche, avec un accès à moins de services aussi. Nous, on a été chanceux, on a réussi à relever notre indice de vitalité économique de 4 sur 5 à 2 sur 5 en 15 ans. Mais tout ça a été fait parce qu'on était capable d'attirer des gens dont le travail n'était pas nécessairement relié à leur position géographique ou des travailleurs autonomes qui étaient capables de créer leur propre emploi. Il faut penser à ça quand on pense aussi à nos développements ruraux puis à nos villages, parce que si on veut que des gens habitent là, on ne peut pas leur dire tout le temps « vous allez gagner moins cher que les autres Québécois, vous n'aurez pas accès à d'autres services, puis bon, vous vivrez différemment ». En même temps, en agriculture, puis c'est un peu le parallèle que je veux faire en terminant, l'engouement qui est créé a fait une grosse pression sur l'aménagement du territoire où on se fait souvent parler de morcellement là, comme étant une solution là, à créer plus d'entreprises agricoles, que ce serait donc une solution. Les écoles d'agriculture sont pleines là, depuis au moins 5 ans. Là, il y a des nouveaux cours qui se créent chaque année, des nouvelles classes qui se forment pour être capables d'accueillir la demande. Mais le problème vient surtout des cédants, des entreprises qui sont en voie d'être transférées et où la relève n'est pas capable là, d'accéder à la terre ou avoir les capitaux nécessaires pour les transferts d'entreprises. Généralement, on parle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là, où on a vu un déclin là, constant là, du nombre d'entreprises agricoles. Depuis 2010, ce qu'on sait, là, c'est que... Attendez, je retrouve mes notes, là, excusez-moi. Oui, de 1996 à 2016, on a perdu 20 % de nos fermes au Québec. Là. C'est à peu près 7 000 entreprises agricoles qui ont disparu, puis près de 12 000 entrepreneurs agricoles qui ont quitté la profession. Là, tout ça entre 1996 et 2016. Pourtant, dans une période de temps presque similaire, là, de 2010 à 2020, les recettes agricoles ont augmenté de 2 milliards au Québec. Ce qui veut donc dire que la diminution du nombre de fermes n'a jamais suivi il y a une augmentation des recettes, mais une diminution du nombre de fermes. Ce qui veut dire que le Québec n'a pas perdu en productivité parce qu'il y a 12 000 fermiers ou fermières de moins depuis ce temps-là. La tarte s'est simplement divisée différemment, puis ce qu'on a qu'on voit, c'est plutôt une concentration des fermes dans les mêmes mains, dans les zones rurales, versus un nombre plus important là, de petites fermes. Il faut dire qu'il y a une lueur d'espoir à l'horizon. En 2020, il y a eu une augmentation du nombre de fermes qui a été observée pour la première fois depuis 1941. Je pense que c'est positif là, pour le futur. Mais il faut trouver une façon là, de jumeler les deux.
d'être capable d'accueillir des nouvelles entreprises, des nouvelles personnes dans nos villages sans que ça se fasse au détriment de l'aménagement du territoire. Mme Charbonneau, Mme Harel disait juste avant moi, là, justement, qu'il fallait probablement revoir la fiscalité municipale. Je pense que c'est incontournable qu'on passe par là pour l'allier aussi à l'agriculture. Comme on le sait, le prix des terres a augmenté d'une manière complètement folle là, dans les dernières années. Dans les années 85, on disait qu'une terre qui valait 1 000 l'hectare en valait 2 314 l'hectare en 2000. Mais en 2020, à peu près, c'est les derniers chiffres qu'on a, là, c'est 16 398 l'hectare que les gens payent une terre agricole. Et la production n'a pas suivi. On ne fait pas pousser 16 fois plus de carottes sur le même hectare de terre là, parce qu'elle vaut 16 fois plus cher. Là. Puis pourtant, les agriculteurs puis les administrations municipales fondent leurs revenus de taxes là, sur la valeur de cette terre-là qui est évaluée de la même façon qu'une tour à bureau, qu'une maison résidentielle. Là. Et on n'est pas capable de morceler au Québec d'une manière durable tant qu'on ne sera pas capable d'obliger les gens à cultiver cette terre-là. C'est très facile, bien très facile, sans parler, là, c'est ceux qui ont les moyens sont capables d'acheter des terres agricoles sans avoir besoin de les cultiver. Ce qui fait que même si on morcelait le territoire, peut-être que le temps d'une entreprise de une, deux générations, on est capable d'avoir une petite terre, mais aussitôt que les gens s'en vont ou la vendent, on est toujours à la merci de quelqu'un qui est capable de l'acheter sans avoir nécessairement besoin de faire de l'agriculture dessus. Fait que si on a l'opportunité de revoir la fiscalité des municipalités, je pense qu'on est capable en même temps là, de se faire une réflexion sur une forme d'agrofiscalité là, où on pourrait obliger au Québec, comme il se fait déjà en Europe, là, les gens à cultiver les terres au Québec, là, d'avoir cette obligation-là que si une terre est en culture ou que c'est possible de la cultiver, qu'il faudrait qu'il y ait de l'agriculture là-dessus. Ça pourrait justement avoir une incidence positive sur le prix où il y aurait probablement moins de grande spéculation là, sur ces terrains-là là, quand ils deviennent disponibles. Fait que c'était en gros ce que j'avais à vous dire. Je sais qu'il y aura d'autres échanges par la suite. Je pourrais m'arrêter là, là puis permettre là, à faire des échanges sur les questions. Okay. Merci. Oui, merci, M. Pagé. Plein de choses intéressantes. Moi, je retiens que c'est quand même rafraîchissant là, d'entendre quelqu'un dans la ruralité mettre beaucoup l'accent sur son noyau villageois, puis sur justement là, aller contre peut-être la dynamique qu'on voit beaucoup là, d'installation dans les paysages, mais travailler fort sur le noyau villageois. Fait que je pense que vous avez terminé sur la fiscalité. Alors, je pense que à partir d'ici, là, on va y aller sur un peu les questions. Les quatre panélistes qui ont intervenu peuvent répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais je vais tout de suite. Vous amener là, sur le terrain avec deux statistiques, deux éléments que je vais apporter à tout le monde. D'abord, à partir du document de consultation qui a été fourni par le ministère des Affaires municipales, que je mets le lien, je vous fais une citation. Les pratiques actuellement en vigueur au Québec en matière de développement du territoire favorisent des modes d'occupation qui sont coûteux, à la fois sur le plan des finances publiques, mais également sur le plan humain et environnemental. On dit également que l'étalement urbain coûte évidemment cher aux municipalités, toutefois, puisqu'une partie des services aux citoyens sont fournis par les paliers supérieurs de gouvernement, l'État voit aussi augmenter ses dépenses. La deuxième, ma question de base, en fait, elle est toute simple. Est-ce qu'on doit reconnaître dans cette stratégie-là que la fiscalité municipale est basée sur la taxe foncière? Est-ce qu'elle nuit à l'environnement? Est-ce que ça doit être un constat de départ vraiment là, pour dire on doit changer les choses? Pour un peu complexifier les choses, je veux une question, mais je vous donne tout de suite, je vais aller sur une piste de réponse aussi dans les solutions. Là. Au Québec, d'ici 2031, c'est ma deuxième statistique, le Québec va accueillir 240 000 nouveaux ménages. Puis là, on a une population qui est très vieillissante. Fait que est-ce que, comme vous en avez parlé un peu, M. Pagé, est-ce que la solution ne passe pas essentiellement ou en grande partie par la consolidation, la densification des milieux habiter. Fait que c'est d'une part ma question, la reconnaissance d'une fiscalité qui est nuisible, puis une solution dans les centralités. Fait que ça vaut pour la ruralité, puis ça vaut pour la métropole ou les métropoles également. Alors, qui voudrait se lancer sur mes deux pistes de questions? Madame Marel? Ah bon? Écoutez, c'est assez passionnant d'entendre M. Pagé justement parler du village. Parce que justement, quelle que soit l'échelle, il ne faut pas reconstituer
Mais ce qu'on voit souvent au Québec, là, une sorte d'aménagement de type banlieue, là, même s'il s'agit parfois que d'une rue ou deux, en périphérie du village ou en périphérie de la rue principale. Et moi, il m'apparaît extrêmement important là, de consolider justement les villages. Je trouve ça assez passionnant, l'intervention qu'a fait M. Pagé. Écoutez, c'est énorme le coût de ce qu'on peut appeler l'éparpillement ou l'étalement urbain. Il est absolument énorme. Je voudrais aussi mentionner que j'apprécierais beaucoup qu'on introduise toute la question de l'école au sein des collectivités viables, durables, résilientes, etc. Je trouve que jusqu'à maintenant, du moins par long territoire, l'école a été pas mal absente. Et on voit bien qu'en en matière de financement, la fiscalité foncière, la fiscalité municipale est basée donc sur la taxe foncière qui elle-même est assujettie à du développement immobilier payant. Mais il est payant pour qui, en fait? Parce qu'il est extrêmement coûteux pour l'ensemble de la société. Est-ce qu'on a assez d'études? Ce serait intéressant peut-être justement qu'il y ait des études qui permettent de chiffrer. À mon point de vue, ça va être astronomique. Et la propension du gouvernement à développer en particulier les routes et autoroutes, on le voit avec le troisième lien là, présentement, je crois que ça, ça peut avoir un effet extrêmement nocif. J'arrêterai là. Merci. Effectivement, il y a quelqu'un en plus dans la conversation qui nous a dit que le développement urbain et périurbain était beaucoup poussé par l'extension du réseau routier, là, donc des charges. Vous l'avez dit, il y a des gens qui font du profit avec le développement immobilier, mais autant au niveau de la collectivité des infrastructures, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur est-ce que la fiscalité municipale nuit à l'environnement? Alors, on essaie de faire le lien avec tous les enjeux là, qui sont de changement climatique. Marilyn Charbonneau? Oui, bien effectivement, là, c'est clair que ça nuit à l'environnement, ça nuit à... Nous, on le voit à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça fait des pressions extrêmes sur les milieux naturels parce que souvent, quand il n'y a plus de place où ce qu'on va, on va sur les territoires agricoles, les milieux naturels, puis on justifie ça parce qu'on a besoin de revenus. Mais ça a aussi une empreinte sociale importante. En fait, en entendant Mme Harel dire on devrait documenter, on parle beaucoup de l'empreinte carbone, mais on ne parle pas souvent de l'empreinte municipale d'une nouvelle résidence, hein, parce que quand un citoyen arrive, ça vient avec des services de loisirs, avec une école, avec justement peut-être des besoins plus importants de transport collectif. Puis souvent, la municipalité ne le planifie pas et ces coûts-là, par la suite, soit ça fait des besoins qui ne sont pas répondus ou ça fait justement des investissements faits en urgence qui s'ajoutent aux citoyens qui sont dans la municipalité. On a souvent la réflexion aussi quand on dit on développe le réseau routier, on laisse souvent les municipalités faire des nouveaux développements. Puis j'ai déjà entendu à la radio des élus dire mais on va le faire, puis la route va venir après. T'sais. Fait qu'il faut comme inverser ça. Et pour ça, ça prend une cohérence à tous les niveaux là, pour s'assurer justement que notre empreinte municipale, mais notre empreinte environnementale soit réduite puis faite de façon cohérente dans le long terme. Là. Est-ce que Sylvain ou Philippe voulaient intervenir? Sylvain? Oui, bien, ça rien. Tantôt, tu as utilisé un terme, Philippe, tu parlais de dispersion en région et non pas d'étalement urbain. C'est un peu la même chose. Hein? Nous, on a une dispersion de nos services publics, peu importe à l'échelle du territoire. Et ce qui est malheureux aussi, c'est que ce qu'on voit, les types d'exemples, cette dispersion-là se manifeste parce que dans les quartiers vieillissants, on va fermer les écoles, on va les convertir en logement. OK, c'est noble, c'est bien. Mais ça veut dire qu'on construit une école ailleurs. Donc, et c'est là, on va construire un hôpital ailleurs également. Donc, à place de consolider nos acquis et d'investir conséquemment, on disperse la grandeur du territoire. Et au niveau des champs de taxation, de la fiscalité municipale aussi, je crois qu'elle devrait être adaptée en fonction des milieux de vie.
On a du mur à mur, c'est la taxe foncière à l'échelle du Québec. Je crois que les municipalités n'ont pas tous les mêmes besoins et les sources de revenus devraient être prises, devraient être considérées aussi, comme on peut changer les sources de revenus en fonction des réalités également et de mieux les adapter. Bref, c'est ça, puis effectivement, ça a des conséquences environnementales, bien entendu. Merci beaucoup. Puis sur la question aussi de la densification, de la consolidation, puis de, je l'élargirai en disant de l'offre de logement là, à notre population, là, qui est de moins en moins de personnes par ménage, une population de plus en plus vieille, est-ce que ça doit amener des changements? On a parlé un peu plus tôt de logements sociaux également. Donc, Philippe, tu voulais intervenir? Ah, ben moi, j'étais encore sur les coûts. Vas-y. J'aime beaucoup l'éparpillement là, que vous utilisez, là, parce que l'étalement, ça sous-entend qu'on part de quelque part, puis que ça s'agrandit. Mais si on voit toutes les routes qui ont été ouvertes hors périmètre urbain dans les dernières décennies, c'est complètement astronomique le coût en route puis en entretien de ces routes-là, de voitures qui doivent passer là, de transports par camion ou quoi que ce soit, qui sont obligés de faire toutes ces je ne sais pas comment appeler ça, là, des pieuvres, on dirait, là, dans certaines campagnes. Là, il y a des endroits là, à proximité de centres régionaux, tu sais, je pense comme par exemple à Sherbrooke. Les gens ont une tendance naturelle à rechercher les immeubles les moins chers pour leurs besoins. Là. Fait qu'ensuite, ils s'installent en périphérie où il y a moins de services. Puis comme M. Gariepy le disait, après, ben, on veut ces services-là. Puis on dit, mais comment ça, il n'y a pas d'école où je reste? T'sais, c'est scandaleux. Puis là, il n'y a pas de station-service. Puis là, on revoit les mêmes petits power centers là, où il y a un Tim Hortons, une station-service, un Subway, je ne sais pas trop, qui se répètent un peu partout, là, puis on se demande mais qui avait réellement besoin de tout ça, mais on reconstruit du béton à chaque fois sans avoir une espèce de je sais pas, là, d'idéal qui permettrait que ce soit efficace puis respectueux de l'environnement. Merci, on l'avait noté dans une rencontre sur les paysages, effectivement, quand, je pensais que c'est ce que vous alliez dire, on se demande finalement on est dans quelle municipalité quand on voit ces bannières commerciales-là. Si vous me permettez de vous amener un petit peu, peut-être là, on dresse un constat ou en tout cas des impacts graves du mode actuel, si on veut aller un petit peu vers les solutions. Je répète en gouvernance, là, parce qu'en ouverture de rencontre, on en a parlé beaucoup, là, à la fois sur la création de la communauté métropolitaine et des MRC. Alors, je vous dirais que puisque M. Ryan a perdu son pari là, sur le démantèlement des MRC, tout le monde semble quand même d'accord que la création des MRC est une bonne chose, si on le regarde de vue d'aujourd'hui, pour favoriser notamment la concertation là, au-delà des frontières municipales. Est-ce que vous auriez des pistes à nous suggérer pour renforcer la concertation à l'échelle régionale, que ce soit via la MRC ou à travers d'autres mécanismes? Philippe? Oui, mais j'en ai une réaliste, puis une peut-être ambitieuse et audacieuse, mais on s'était dit que c'était ça qu'il faut. On veut les deux. Mais moi, je trouve qu'il y a là où la MRC est devenue une limite, c'est quand il y a eu les créations de plusieurs régies là, pour mettre en commun des services municipaux, que je pense à incendie, police à certains endroits ou même collecte de matières résiduelles. On a des régies qui ne suivent pas du tout les limites territoriales, ce qui fait que là, ensuite, quand on a, par exemple, un schéma de couverture de risque à adopter, on doit le faire avec trois régies différentes puisqu'il y a des municipalités sur des territoires qui sont associées avec d'autres. Puis il y a peut-être eu un échec là, puis je dis ça peut-être plus, parce que je suis jeune, là, puis je dis ça, mais où ça aurait peut-être été plus cohérent si la MRC avait pu être ce lieu-là de cohésion territoriale sur d'autres enjeux qui, au départ, peut-être ne tombaient pas dans son champ de compétences, là, mais qui auraient pu servir de ça, parce que des fois, ça devient lourd là, quand on siège à trois régies différentes avec des gens complètement différents, puis on se dit, bien, on aurait peut-être eu une meilleure cohérence ensemble. Puis ensuite, pour peut-être faire le bout plus ambitieux, là, moi, c'est sûr que je pense qu'où on est rendu, là, puis où on va être avec 10 millions de Québécois à un moment donné, avec notre système de santé qui est complexe, notre système d'éducation qui est simple, il faudrait peut-être une décentralisation à un moment donné, là, tu sais, que des orientations grandes puissent émerger du gouvernement du Québec, mais qu'en région, il y a peut-être une structure plus facile là, où les gouvernements de proximité pourraient peut-être prendre plus de place là, là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier, bon, là, je fais des comparatifs, j'étais avec Mme Charbonneau, Mme Arel, qui était peut-être d'autres réalités, là, mais
quand un élu municipal est payé 14 000 $ par année là, pour faire ce qu'il fait, c'est très difficile d'avoir aussi du monde qui ont les moyens de leurs ambitions puis le temps à accorder à ces dossiers-là. T'sais. Mais c'est pas parce que les responsabilités n'existent pas, c'est parce qu'elles sont concentrées dans les grandes villes comme Québec et Montréal où c'est des centres décisionnels importants. Fait que s'il y avait une décentralisation de ça vers les régions, on pourrait avoir, je pense, une couleur toute différente. Je suis sûr que la Beauce ne se gérerait pas de la même façon que la Naudière, par exemple, mais ce serait leur façon de se gérer. Puis je pense que d'aller dans cette direction-là, ce serait probablement plus profitable que de continuer à concentrer les nouveaux pouvoirs à Québec. Et j'imagine que ça nous aiderait aussi à rapprocher justement les questions des coûts là, qui sont imputés à l'État, au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, selon les choix des localités. Donc, on peut le rapprocher des sillons. Il y a effectivement un enjeu du nombre d'échelles, du multiple nombre d'échelles. Donc, sur toujours la question de l'MRC et de la concertation régionale, est-ce que Sylvain, Marilyn ou Louise, vous voulez intervenir? En fait, je suis assez d'accord avec ce que M. Pagé a amené. En fait, je suis plutôt favorable aussi à ce qu'on voit Je partirais en vert. Je trouve que le fonctionnement de la région métropolitaine, le concept, la façon qu'on fait la concertation, on est capable probablement de répéter un peu ces mécanismes-là à différentes échelles à travers le Québec. Puis également, je pense qu'il faut revoir les champs de compétences ou mieux raffiner les champs de compétences des MRC pour justement des équipements collectifs. Que ce soit le transport, que ce soit la gestion des déchets, etc. Il y a d'autres compétences qu'on pourrait ajouter, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de s'assurer qu'il y ait une imputabilité auprès des MRC dans la prise de décision. Souvent, il n'y a pas de préfet élu. Je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là, mais moi, je suis vraiment favorable à ce qu'il y ait un préfet élu qui puisse faire un réel arbitrage selon les besoins de la région. Et la loi le permet maintenant, là, mais je pense qu'il y a juste 14 MRC qui se sont prévalus de ce droit-là, mais il y a probablement une réflexion à faire à ce niveau-là. Là. Si vous permettez, Philippe. Oui. Si vous permettez, oui. Allez-y. En fait, la loi prévoit la possibilité de l'élection d'un préfet au suffrage universel depuis maintenant 20 ans. Et moi, quand j'ai introduit cette possibilité d'élection au suffrage universel, c'était pour assurer un équilibre au sein de la MRC où on retrouve presque, je crois, au moins le deux tiers. Je ne sais pas si maintenant, 20 ans plus tard, c'est encore plus, là, mais le deux tiers des MRC du Québec comptait une municipalité qui détenait la majorité de la population du territoire de la MRC. Donc, le maire, étant donné aussi l'effet, évidemment, de renforcement des municipalités par les fusions, donc le maire de la municipalité de la ville-centre, en fait, devenait assez, disons, dominant au sein de la MRC. Et cette élection du préfet au suffrage universel de la population du territoire permettait évidemment de pouvoir assurer une sorte d'équilibre dans la présentation de défis qui peuvent être parfois différents, là on le sait évidemment. Et donc aussi, c'était le début, mais je pense que Mme Charbonneau a raison, il faut aller plus loin. Il y a 20 ans, c'était le partage des coûts des équipements supramunicipaux. Mais c'était le début du début. Et comme je vous ai mentionné tantôt, même si ça semble peu maintenant, il faut comprendre l'effet de turbulence que tout ça a créé au moment où c'était mis en place, hein, ou implanté. Alors, c'est sûr qu'au Québec, il ne faut jamais oublier, puis ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est bien, bien important. Il y a 20 ans, et ça ne doit pas avoir beaucoup changé. Si je comptais les municipalités de plus de 100 000 habitants, au Québec, il y en avait 10 municipalités de plus de 100 000,
y compris Montréal, Québec, et, enfin au total 10, qui occupaient 1% du territoire. Donc, ça veut dire que 99% du territoire du Québec n'était pas en fait occupé par ces grandes villes dont on parle. Et c'est pour ça que c'est si important d'avoir un plan d'aménagement qui renforce la cohésion au sein de territoire de MRC. Alors, comment y arriver? Est-ce que il faut, quel pas de plus faut-il faire que l'élection au suffrage universel? Faut-il aller du côté de nouvelles responsabilités partagées? Les villes-centres, hein, vous savez très bien qu'elles vont toujours résister. Les villes de centralité au sein d'une MRC vont vraiment se braquer. Là. Ça, ça me semble assez certain, parce qu'elles ne veulent pas pouvoir dépendre de l'ensemble du territoire duquel, quand même, elles appartiennent. Auxquelles elles appartiennent plutôt. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent M. Pagé et Mme Charbonneau ou d'autres qui partagent notre examen de tout cela ce midi. Il y a deux choses intéressantes que je permets de souligner là, dans les dernières interventions, parce que je fais le pont avec des commentaires qui sont apparus dans le chat. Effectivement, il y a peut-être une échelle, d'abord sur la question de l'échelle, au-delà de l'échelle de MRC, l'échelle régionale, qui est nécessaire, notamment dans les domaines environnementaux, ce qui sont peut-être plus évidents pour nous aujourd'hui. Donc, Louise nous parle des enjeux d'approvisionnement en eau potable, de contrôle des inondations, de connectivité écologique, et des intervenants nous soulignent également qu'il y a déjà eu le rôle des conférences régionales des élus. Là. Donc, il y a déjà eu ce palier supérieur-là. Mais donc, moi, je le précise parce qu'on en a parlé dans d'autres rencontres, que particulièrement au niveau environnemental, quand on a parlé beaucoup avec les organismes qui gèrent les bassins versants, que cette échelle-là peut être utile. Puis l'autre point là, que plusieurs soulignent et qui est également mentionné dans la conversation, c'est l'imputabilité politique, le niveau démocratique de ces MRC-là. Donc, effectivement, on n'a pas la réponse, mais on nous dit également que parfois la MRC, comme l'a dit Mme Arel, c'est beaucoup de la négociation politique. C'est ce que Myriam écrit dans le chat, qui est parfois peut-être un peu loin des intérêts réels du bien commun. Alors, je retiens ces deux choses-là, puis je vois l'heure qui passe rapidement. Alors, on va devoir donner la parole à Jeanne Robin, mais avant, je veux être certain que tout le monde ait donné son dernier mot. Puis je vais commencer par Sylvain. Est-ce que vous avez deux priorités qui vous sont très chères, qui sont vraiment des solutions vers lesquelles on doit aller pour la stratégie nationale en urbanisme et aménagement des territoires? Oui, je vais faire ça très bref, très brièvement. En fait, pour moi, il y a deux éléments. D'une part, sur le plan de la gouvernance, d'exemplarité de l'État dans ses interventions. Ça, là, c'est fondamental. Quand l'État manque à sa mission, en aménagement du territoire, ça suit, ça a un impact immédiat. Et en matière de croissance urbaine aussi, je dirais la répartition compacte de la croissance urbaine. Donc, on parlait d'étalement urbain, de dispersion des services. Je crois qu'on doit faire un usage beaucoup plus raisonné et cohérent de l'aménagement du territoire. Et pour moi, donc, quand on parle de croissance, je pense qu'on doit en profiter pour parler de consolidation des milieux. Donc, c'est pour moi les deux éléments prioritaires de la stratégie nationale. Merci, Sylvain. Deux priorités, Philippe, Marilyn, Louise? Moi, je vais vous dire, ma priorité, ce serait d'introduire dans la Charte des Québécoises des droits et libertés un chapitre nouveau. Il y a, en plus des chapitres que l'on connaît, il y a celui des droits économiques et sociaux, mais d'introduire un chapitre sur les droits environnementaux et notamment pour assurer un milieu de vie durable, sain et de qualité. Si la Charte québécoise qui date de 1975, donc il y a 46 ans, était adoptée maintenant, il est absolument certain qu'il y aurait des dispositions dans la Charte concernant la question de l'environnement et de l'aménagement. Et c'est une protection qu'on se donne. Je fais ça très vite, là, mais sans la disposition de la Charte qui portait sur l'équité salariale, la loi sur l'équité salariale que j'ai fait adopter aurait été en partie charcutée,
parce que finalement, ce sont les tribunaux qui utilisant justement les dispositions dans la charte, ont dit non, on ne peut pas négocier un principe. Un principe, ça ne se négocie pas, donc la loi sur l'équité ne peut pas être charcutée. Et ça pourrait, parce que vous savez, l'autonomie, beaucoup on nous parle d'autonomie municipale, je termine là-dessus vite, là. Mais l'autonomie, il faut accepter au 21e siècle, à l'époque, avec les défis que nous avons, il faut accepter que cette autonomie soit limitée par un certain nombre de principes. Les gouvernements acceptent ça. Quand on s'est donné des chartes, les gouvernements eux-mêmes ont diminué, ont réduit leur capacité, leur souveraineté de législation par justement des dispositions de chartes qui sont interprétées par des tribunaux. Il faut faire la même chose parce qu'il faut protéger le gouvernement contre lui-même. Il n'y aurait pas eu la MRC de Montcalm là, s'il y avait eu des dispositions dans la charte. Merci, Mme Varel. Donc, l'introduction d'une nouvelle protection pour l'environnement, la Charte des droits et libertés. Et l'aménagement aussi. L'aménagement du territoire, c'est cohérent, absolument. Rapidement, Marilyn? Oui, bien, en fait, j'allais justement poursuivre sur la priorité de Mme Varel en disant qu'il faut que les reconnaissances des patrimoines collectifs, que ce soit l'eau, le territoire agricole, les espaces verts, l'air, il faut justement que ça soit reconnu, que ça soit amené dans un apport, même au développement économique, social. Puis, du moment qu'on aura bien protégé ces éléments-là, justement, il faut protéger les gouvernements contre eux-mêmes, on pourra peut-être ouvrir avec confiance plusieurs outils puis permettre une plus grande autonomie à nos collectivités dans la gestion de leur territoire. En tout cas, je suis portée à croire ça. Ou sinon, mais c'est clair que ça nous prend des outils modernes de planification avec des objectifs, des indicateurs puis une reddition de comptes. C'est comme ça qu'on va réussir à amener un aspect positif à l'aménagement du territoire. Merci. Philippe? Ah, c'est dur d'être aussi bon, là. Je suis désolé, là. Mais écoutez, que les interventions qui ont été faites, là, c'est ça que je voulais dire. Mais moi, je vous dirais, tu sais, des priorités, il faut que ça accouche d'une politique nationale là, d'urbanisme, d'aménagement du territoire. On n'a pas le choix, là. On ne peut pas gouverner par des ogates là, à la fin de tout cet exercice-là. Là. On entre en année électorale là, l'année prochaine. Je pense qu'on a un gouvernement qui a les coups des franges en général. Là. La vie peut changer vite, là, mais ce serait bien qu'il profite de ça pour réaliser quelque chose, là, puis pas juste faire une discussion. Puis j'aimerais ça que ça profite au milieu, ben, vous l'avez deviné, là, au milieu rural puis agricole. Là. C'est relié à l'urbain. Là. T'sais, si l'urbain se développe comme il faut, le rural va pouvoir se développer comme il faut, l'agriculture va pouvoir se développer comme il faut, on va pouvoir s'alimenter mieux, on va pouvoir s'alimenter localement de chez nous. Ça permettrait une plus grande je pense, dynamisme là, des milieux à l'extérieur des grandes villes, puis plus de Québécois, puis de Québécoises heureux. J'imagine. Ouais, ce serait ça. Merci, Philippe. Mais je pense que ça fait le pas avec beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Ça prend, mais on est au moment de désormais en aménagement du territoire. Fait que ça va me permettre là, de donner le mot, le dernier mot, qui est en fait un peu la conclusion. Donc, notre chargé de conclusion, je te présenterai d'abord ainsi, Jeanne Robin, que je présente rapidement. Puis je m'excuse d'avoir dépassé un petit peu le temps. Jeanne, je ne te presse pas, les gens sont encore là, alors j'espère que vous êtes encore avec nous pour 10 minutes de conclusion de Jeanne. Alors, elle est Jeanne Robin, donc directrice principale à Vivre en ville. Elle est titulaire d'une maîtrise en aménagement de l'Université Laval et a rejoint Vivre en ville en 2008. Elle se spécialise dans le développement urbain durable, domaine dans lequel elle a mené plusieurs projets de sensibilisation et coordonné la rédaction de nombreux guides de bonnes pratiques, également conférencière et formatrice. Elle se passionne notamment pour les environnements favorables à la santé et les diverses approches de lutte contre les changements climatiques. Et je termine en disant qu'elle est chargée de cours à l'École supérieure d'aménagement du territoire, et de développement régional, voilà, de l'Université Laval. Jeanne, quelle est ta conclusion de cette discussion? Merci Philippe, bonjour à tous, très heureuse de pouvoir d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui. Merci à nos intervenants et intervenantes d'aujourd'hui, c'était vraiment très intéressant de vous écouter. J'ai noté plein de choses que j'aurais peut-être voulu reprendre dans ma conclusion, que j'avais prévue assez lyrique et documentée, mais considérant l'heure qu'il est, je vais me concentrer sur l'essentiel. Donc ça va tenir en trois points.
Le premier, c'est que tout ce que nous disons aujourd'hui, tout ce que nous avons entendu au cours des tournées par mon territoire, c'est maintenant largement reconnu officiellement au Québec, puisque le document de consultation qui a été rendu public le 14 juin reprend un certain nombre de besoins qui ont été évoqués aujourd'hui en matière d'équité, en matière de protection des territoires agricoles, puis ce document de consultation-là, qui est quand même assez touffu, une cinquantaine de pages, il fait le constat que les pratiques passées en aménagement du territoire et en urbanisme ont produit des milieux de vie qui ne répondent pas aux besoins actuels et qui répondront encore moins aux besoins futurs. Je parle évidemment de la question du vieillissement de la population, la question de la lutte, de l'adaptation au changement climatique, de la protection de la biodiversité, tous les défis, toutes les urgences auxquelles on doit faire face. Donc, on a maintenant tous ces constats-là qu'on faisait chacun dans notre pratique, chacun dans nos collectivités, que ce soit en tant que citoyen, en tant que professionnel, en tant qu'élu, en tant que militant, tous ces constats-là sont maintenant des constats officiels, en fait. Ils ont été formulés officiellement dans un document gouvernemental. Donc, je pense qu'on peut se dire que grâce à cette conversation nationale en aménagement du territoire, on a effectivement passé une étape très, très importante qui est un peu celle du bilan honnête auquel appelait Marilyn Charbonneau un peu plus tôt. Donc, ce serait mon premier point. On a vraiment passé une étape. Je pense qu'on peut se le dire et s'en féliciter. La deuxième chose, c'est que donc, comme on fait ce constat-là, ça nous oblige à un changement. Et là-dessus, c'est sûr que tous les acteurs en aménagement du territoire, tous les acteurs sur le terrain vont devoir travailler ensemble. Et ça, c'est le gros défi de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, d'arriver à quelque chose à la fois d'ambitieux, de lucide et d'efficace. Je voudrais citer mon directeur général, le directeur général de Vivre en Ville, Christian Savard, qui disait récemment que dans le changement, le plus difficile, ce n'est pas d'adopter des nouvelles pratiques, c'est de renoncer aux mauvaises pratiques antérieures. Et c'est souvent ce qui est difficile dans nos milieux de vie, parce qu'on est prêt à rajouter des trottoirs, rajouter des pistes cyclables, travailler pour qu'on... Mais cesser ce qui a produit les difficultés auxquelles on fait face maintenant, c'est le plus difficile et c'est ce à quoi il va falloir qu'on s'attelle vraiment maintenant. Je dis maintenant parce que mon troisième point, c'est qu'on est vraiment dans une situation d'urgence, justement parce que, comme l'a souligné Philippe, le Québec vit actuellement une période de croissance démographique qui est associée aussi à une croissance économique. On va accueillir, créer de nombreux ménages, des centaines de milliers de ménages dans les années à venir. Et tout ce développement-là, c'est vraiment une occasion de changer la façon de faire les choses, de reconstruire les villes sur elles-mêmes, de revitaliser les noyaux villageois. On a énormément d'opportunités et il faut les saisir maintenant. Et c'est pour ça que la stratégie qui devrait être adoptée par le gouvernement à l'intérieur de la prochaine année, elle ne pourra pas se contenter d'ouvrir des chantiers de travail, de poser des constats et de dire on doit travailler sur la fiscalité, on doit travailler sur l'optimisation du territoire. Il faut impérativement arriver avec des leviers qui vont être en action tout de suite. Parce que si on ouvre des chantiers et qu'on se dit que l'objectif premier, c'est de passer 3 ans à se doter des outils dont on a besoin pour mieux aménager le territoire, on est en train de manquer le bateau, vraiment. Parce que l'urgence est là et l'opportunité est là. Donc, je pense que le travail ne fait que commencer pour nous. Il va falloir que bien aménager le territoire, bien aménager nos milieux de vie pour répondre à la fois aux attentes des ménages, aux besoins personnels et aussi aux enjeux collectifs. Vous avez été nombreux à en parler. Il faut que ça devienne un réflexe et qu'on réfléchisse aux conséquences de nos actes, de nos décisions, de nos investissements, de nos programmes gouvernementaux, de nos outils de planification, pas seulement à une courte échéance de quelques années, mais vraiment à une échéance de plusieurs décennies, puisqu'on construit le territoire vraiment pour les générations qui vont nous suivre. Donc, merci beaucoup à tous pour vos questions et puis vos interventions. Et très heureuse de pouvoir travailler avec vous encore pour les décennies qui viennent. Merci, Jeanne. Alors, c'est très clair. Alors, malgré que je t'avais un peu pressé dans le temps,
Avant de terminer, je donne juste quelques pistes pour aller plus loin parce que là, on a sorti tellement de choses aujourd'hui et ça a été tellement riche. Deux sites web, celui du ministère des Affaires municipales, donc mamh.gouv.qc.ca pour les documents sur la consultation. La consultation elle-même qui est ouverte à tous, citoyens et organismes, c'est la consultation web, ouvre le 16 août jusqu'au 10 septembre. Ce sont les dates qui sont annoncées, donc à vos agendas. On vous écrira sans doute un courriel. Deuxième site web pour voir, revoir et vous alimenter en ressources, parlonsterritoire.québec. Donc, pour vous outiller pour être prêt pour cette consultation, pour être à la hauteur de ce moment historique dont on a parlé aujourd'hui. Alors, je conclue en disant merci beaucoup à toutes et à tous, aux conférenciers, aux conférencières qui étaient avec nous ce midi. Vraiment très riche, puis je suis très heureux là, de ce avec quoi on repart, la tête remplie de bonnes idées. Alors, passez tous un bon été et certainement donnez votre avis lors de la consultation publique. Merci, bon après-midi.